Nous connaissons qu'un pays compatriote, nous, ils font un voyage là, ils allent au Brésil des fois. Et en pile dans ça qui Brésil ou bien Chili, yo, des fois ils remontent l'Amérique au complet, ils passent par Équateur, ils passent par Colombie, ils passent par Panama que n'a pas gardé là, ils passent par Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. En fait, ils font petit jambé Honduras là, après ça ils tombent dans bon agrandi pour nous. Ils tombent dans El Salvador, après ça ils tombent Guatemala. Et puis il y a toujours qu'une côte pacifique là. Et puis après ça il est passé là, il est tombé Mexique. Alors c'est l'arrivée tout côté ça, c'est côté qui a un problème, OK, spécialement des pays comme Honduras, Panama pas trop mal. C'est sûr que Colombie tout en pile problème. Mais Panama va trop mal, Costa Rica c'est comme son paradis, Nicaragua faut faire très attention. OK, quoi que gampil qui qu'on retrouvé là et puis yo obligé pour le traverser la clan sous pas les contourner. Et après ça au tomber San Salvador, j'en dis nous Guatemala on paye tête chargée encore. Et puis de Guatemala qu'on est au tomber Mexique ou presque arrivé ou qu'on est que moun sa même yo pour aller dans zone Tijuana. OK, Tijuana mais qui bolié li à peu près là. OK, on regarde Tijuana dans zone ça là, c'est là que les plus faciles pour traverser parce que l'autre état aussi c'est des zones tête chargée grand paquet Yankee cap suivi là avec machine là, c'est très difficile pour traverser de zone ça ou t'as qu'à traverser là. Eh bien ça passe c'est que des fois compatriotes nous yo obligé traverser état de parfois Sinaloa. État ça que nous avons gardé là, Sinaloa, un très bel état et un très bel état, donc avec de très belles villes, de très belles images que nous avons gardé là. Ouais, de très 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 belles images. L'on a regardé images ça ou pas à penser que vraiment son pays qui a un problème. Mexique quand même qui sont pays émergents. M'a rappelé nous son très bel pays émergent. OK, et bien ça passé c'est que nous songer dernièrement en octobre dernier la police t'ai pensé que yo t'ai pas poser la paix sur état ça état Sinaloa comme t'as montré nous tout à l'heure parce que yo t'ai pris petite El Chapo. Et bien ça t'est passé après ça c'est que et Narcos yo même yo te mette ville là à feu et à sang, yo prend ville là d'assaut, yo tombé à incendier tout côté petite El Chapo que n'a regardé là, ça c'est El Chapo lui même et c'est petite que nous t'a regardé tout à l'heure là. Et ben yo mette ville là à feu et à sang pour yo libérer patron yo. Et la police bizarrement son bail qui était fait le tour du monde, la police t'est préféré libérer petite El Chapo hein, au lieu que yo t'ai affronté Narcos yo tellement ville là tellement zam a chanté. Et bien quelques mois après, donc nous rendu en janvier là, situation à Livine pire encore dans un état Guerrero qui est un peu plus bas. Que par exemple si on traverse, si compatriotes on traverse son état que censé pour le traverser tout pour aller un peu plus haut. Et bien dans l'état Guerrero tellement la police vient gain problème, yo vient impuissant carrément face à Narcos yo. Et bien la police obligée armé des enfants kounyan pour yo ka wè si yo ka sensibiliser reste monde là à problème là, parce que ça qui rive là c'est que la police carrément yo obligé à baisser les bras face à Narcos yo. C'est censé que Narcos yo là c'est presque yo même que pour diriger zone ça yo zone surtout zone éloignée yo kankou des états kankou Guerrero. Eh bien la police même li pa gen le choix, li obligé à entraîner des enfants pour yo al affronter
et Narcos yo. Et plusieurs fois selon ça que policiers ont rapporté, c'est que c'est Timoun yo même qui a enroulé tête yo volontairement, yo pas même temps que la police proposait yo, Timoun yo yo a enroulé tête yo volontairement pour ka protéger tisseur yo, pour ka protéger maman yo, maman yo qui fin grand monde, ou bien pour ka protéger papa yo, pour protéger famille yo. Donc vraiment parce que des fois grand frère sa pi grand qui te ka support, qui te ka enrôlé grand frère yo, soit yo mouri ou bien soit yo getan enrôlé nan Narcos. Donc ou ka même rive dans des situations que ti moun sa yo yo pral combat propre cousin propre frère ou même nan l'armée Narcos yo. Donc en situation qui très grave qui a fait le tour du monde et que toute organisation internationale de défense des enfants, de défense des droits de l'homme a dénoncé. Et dans l'état ça, c'est ça qui est arrivé là, on va garder Timoun yo qui a entraîné là. N'attendons un petit reportage tout court de 1 minute. Ayahuel-Tempa, au sud du Mexique, dans l'état du Guerrero. Des enfants de 5 à 15 ans sont formés au tir. L'état du Guerrero est situé au cœur des trafics d'or et de drogue. Dans cet état, on comptait plus de 1000 homicides en 2019. Devant l'inaction du gouvernement, la population s'est organisée en milice pour se défendre des cartels. Si vous sentez sans défense, sans armes, les criminels en profitent pour vous arrêter. Mais s'ils voient que vous êtes armés, ils ont peur. Et alors, ils fuient les membres de la communauté. Les milices enrôlent aussi les plus jeunes. J'ai décidé d'être dans la police communautaire pour aider mon peuple et ma famille. Et pour m'entraîner à toutes les armes. Donc ouais, Timoun ça, je me suis décidé à entrer pour entraîner, pour protéger famille, vraiment en situation qui est désolante. Et où t'as pensé que la justice était à fond bah, mais la justice au contraire lit du côté de Narcos yo, parce que même nous même arrivés dans l'autre état là, dans le nord un peu. Donc là nous étions dans l'état de Guerrero, maintenant l'état dans le nord, là état de Coahuila. Et ils ont fait condamner un journaliste à $500,000 américains d'amende, vraiment $500,000 américains d'amende, parce que monsieur dit que gouverneur de état ça l'y plongé dans corruption. C'est pas une information qui secret, c'est une information que tout le monde connaît. Mais journaliste, puisque monsieur son journaliste qui est respecté, Sergio Aguayo, puisque monsieur respecté, donc il a décidé d'attaquer monsieur en justice. La loi prévoit maximum de $25,000, équivalent de $25,000 américains. Mais juge lui-même, il est tellement corrompu, il a tellement besoin de mettre un babouquette dans la bouche de la presse, il a condamné monsieur à $500,000. Donc c'est sûr que la presse internationale yo vraiment mobilisé là pour yo voir si la justice, la cour suprême ta ka renverser verdict ça. Mais ou pas qu'on est côté ça pas arriver. Donc en situation qui vraiment désolante, en situation qui très grave qui a évolué au Mexique là, c'est que l'état li en passe pour perdu la face à narcotrafiquants, narcotrafiquants yo presque contrôlé tout pays là. Donc nous même qui gen haïtien, qui gen famille qui a fait voyage ça, donc si possible yo te ka invité état ça, par exemple état de Guerrero, ou ta fait un contour. Nous connaît que on va remonter sur la côte pacifique pour aller là à Tijuana, mais peut-être que l'état mieux qu'au fond des tours, par exemple l'arrivée là, au lieu passer par état de Guerrero, ou le passer au fond des tours par Mexico, ou remonter là jusqu'à état de Chihuahua.
et puis au contourner donc état de Sinaloa et aussi état de Guerrero parce que bayo pas bon même là donc si nous gen fami nous ka fait voyage ça mande yo pour yo éviter deux états ça Sinaloa avec Guerrero donc n'ap suivre de toute façon évolution situation ça pour vous comme la presse internationale indignée question de Timoun Sao qui obligé face à l'inaction de l'État qui obligé mettre en face Narcosio n'a pas gardé pour nous est-ce que gon bagay qui pour le faire est-ce que gon aide que y a porté ba Moun Sao est-ce que par exemple gouvernement américain qui promet gouvernement Trump là surtout qui promet que l'a aider l'État mexicain pour combattre le crime organisé, pour combattre causé de coyote, donc question de migrants qui traversent. Nous connaissons que le cartel, c'est eux qui contrôlent les bagages. Est-ce que Trump peut aider le président mexicain dans tâche ça nous pas connaît parce que ça c'est des bagages qui peuvent nuit à business ou c'est des bagages qui peuvent nuit à free trade yo donc on est gain un accord là entre Mexique Canada et États-Unis donc si Narcos commence à prendre en fait état Mexique comme ça une après l'autre il a fait tomber il a contrôlé toute bagaille et bien li pas bon commerce là n'a pas pour nous qui réaction monde international là a bail à causer ça mais son situation c'est très triste et son situation qui interpelle nous parce que peut-être un jour nous pas t'aimer ça arriver là mais peut-être un jour que même en Haïti n'a obligé armer plus monde pour faire face à bandi parce que bandi autour en Haïti il commence il y a des zones même j'en vois dans état Sinaloa ou même état Guerrero c'est yo commandé grand pile zone nous connait ça déjà grand pile village que en Haïti nous connaît que c'est bandi qui commande ça et l'état lui-même n'est pas capable rien face à ça donc son situation qui interpelle nous que n'a suivi pour nous qui gens gouvernement mexicain très intéressant à suivre donc comment le gouvernement mexicain li poil fait pour li enrayer mal ça qui c'est Narcosio qui a contrôlé pays Mexique donc prudence soit traverser Mexique deux états à éviter état de Guerrero et état de Sinaloa n'a pas fou.